Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour du restock de 151 avec cette petite mini-tin qu'on va s'ouvrir en premier et ce magnifique, ce beau, ce sublime coffret Elector. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que j'en avais pas retrouvé. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, où est-ce que j'ai trouvé ça? Bon, je pense que l'info a dû faire le tour de la France. C'est chez Auchan, voilà. Auchan les avait mis en page de garde sur leur catalogue et du coup, on avait vu que ça sortait le 23. Du coup, c'était cool, c'était simple, il n'y a pas eu d'embrouille. Enfin, il y a un truc qui m'a fait un peu rire. Il y a un truc. Je suis arrivé vraiment genre 10 minutes avant l'ouverture, on était une petite dizaine à peine. Et il y a un vigile, alors le gars il a dû se mettre la pression de sa vie. Le frérot, fallait qu'on l'écoute, hein. Parce que je pense que si on ne l'écoutait pas, ça partait en vrille. Il devait avoir des ordres, fallait bien l'écouter. Donc ça s'est fait sans problème, donc c'est cool. J'ai eu un petit truc de chaque. Et puis du coup, on nous a offert ça. C'est une sorte de catalogue avec un booster échantillon. On a un jeton juste là. Et puis, on a un petit dessin si on veut colorier. En vrai, c'est sympa. Ça reste quand même très, très quali. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. On a des poids de Pokémon. Ouais. Bref, j'ai envie d'ouvrir. Voilà, j'ai qu'une envie, j'ai envie d'ouvrir. Donc, on y va. Let's go. Donc, on va commencer par la mini-tin. On va commencer par le plus simple, hein. Donc, le prix de base, 12€. Voilà, c'était vraiment les prix conseillés en magasin. Et puis, voilà. Donc, on a toujours ce petit jeton, le petit sticker et les deux boosters. Petite info que je peux vous donner, le restock n'est pas fini. Tous les Leclerc n'ont pas reçu leur stock parce que du coup, les Auchan ont eu droit au Alakazam, au Elector et au Minitin. Et les Leclerc devraient recevoir du Alakazam. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos Leclerc. Le restock n'est pas fini. Et en même temps, j'aimerais vous remercier. On a passé les 900 abonnés. Ça, c'est trop trop cool. À l'heure à laquelle je tourne, on est 905. Plus que 95, les gars. On va y arriver. Alors, est-ce qu'on va dropper Mewtwo, une Reverse de Tauros et une holo de Mewtwo? Ok, de Mewtwo, pourquoi pas. Bon, on continue. Je veux quand même qu'on drop, s'il te plaît. Parce que, non, si je drop pas, ça va pas le faire. La série vaut quand même une blinde, donc ce serait cool. Allez, Magmar, Hippotrempe, Abra, Carif de Giovanni, Pince Attrapeuse, Krabos, Ponyta, une AR. Oh, le Salamèche! Oui! Oh là là, ça fait plaisir. Et derrière, le Voltali. Ah, bon, bah voilà, j'ai rentabilisé mon ouverture. Ah, voilà. Voilà pourquoi je kiffe 151. Quand ça drop, ça fait plaisir. Bon, quand ça drop pas, ça fait moins plaisir. Mais là, le Salamèche, il fait trop, trop plaisir. Je crois, de mémoire, que je l'avais jamais tombé à l'époque. Donc, peut-être une fois. Allez, on s'open le coffret Elector. Ah, ça fait plaisir d'en retrouver. Franchement, je pense qu'on est à la fin, hein. Le restock, je pense pas qu'il y en aura un deuxième. Ça va être compliqué d'en retrouver. Donc, dans ce coffret, toujours pareil, on a la petite Elector en promo, la SVP49 et le petit Electek en Holo Cosmo. Et on a forcément la grosse Jumbo que je vais vous mettre juste là. Voilà. Et on est parti. 4 boosters, s'il te plaît, une halte. Voilà, c'est tout ce que je demande, une halte. Je veux que ça. Voilà, j'en ai droppé quasiment aucune durant toute l'extension. Je veux que ça. Allez, on y va avec un petit Osselet. Goupix, Magnéti, Chenipan, Tentacruel, Ronflex, Sablero, une Reverse de Starry, une Reverse de Miaouss et Staros en holo. D'ailleurs, petit aparté, j'ai réussi à trouver ça, je suis trop content. Dans un Leclerc aussi sur Nantes, OP6 en version anglaise. J'en avais encore jamais trouvé, donc je suis vraiment content. Je vais pouvoir rajouter ça à ma collection. C'est vraiment des boosters que j'avais un peu galéré quand les stocks étaient arrivés. Il n'y avait plus rien du tout. Tout est parti vraiment en un clin d'œil. Alors, soit c'est moi, soit ça brille. C'est peut-être moi, on va rien dire. Crustabri, Rhinophéros, Scarabrut, Chétiflore, et c'est moi. C'était juste le Vénard en holo. Les taux drops sont un peu compliqués, hein. De toute façon, 151, ça a toujours été comme ça. Après, c'est pas à comparer avec, avec Destiny de Paldea. Hein. C'est vraiment pas la même chose. Excellang, Mimitos, Rukul, Nosferatu, Rest, oulololololol, Persian, Kabutops, une Reverse de Excellang et une holo de Electrode. Et je vous jure, si on drop encore un coffret Elector sans rien, c'est vraiment que ce coffret me porte la poisse. Mais alors, d'une puissance, c'est chaud. Parce que ce coffret, il m'a vraiment pas aidé. Hein. Durant la série, il m'a vraiment, vraiment, vraiment pas aidé. Allez, Mystère, Ferro-Singe, drop-moi au moins un truc, je m'en fiche. Pas une ex, mais un truc. Loclas, qui est trop beau. Piste Cyclable.
Racaillou. Oh. Allez, et voilà, 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 voilà pourquoi je veux pas le Elector. Eh, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, ça va. On a eu le Salamèche, on n'a pas rien eu. Mais c'est compliqué, hein, le Elector, hein. Payer 25 balles pour un coffret pour rien avoir, c'est 26 même, je crois. Bah, hey, attendez. Si vous voulez... Non, non, je vais pas vous montrer mon ticket, mais j'ai le ticket qui est juste là. Non, c'est pas le bon. Voilà, 25,90€. Ça fait mal. De toute façon, je veux plus ouvrir cette série, c'est bon. Ça m'a saoulé. On a quand même droppé un petit Salamèche AR. Ça fait quand même plaisir. Cette carte, elle fait quand même... Elle est sympa. Je sais pas si au niveau de l'impression... Ouais, non, il y a toujours des défauts d'impression. Mais bon, prochaine vidéo, normalement, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai commandé la display de stickers. J'ai commandé les coffrets Zoroark. J'ai ma commande de mon fournisseur qui devrait pas tarder à arriver concernant les box machines et le coffret Kamadora. Et j'ai une vidéo un peu spéciale aussi pour vous. Voilà, on lâche pas. Go les 1K. Beaucoup me disent qu'on va le passer durant le mois de mai. On verra bien. Et il y a la vidéo du gala aussi qui devrait arriver. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Peut-être que ce sera un mode vlog. Le vlog, si je le fais, ça va être une catastrophe. Parce que mon dieu, le vlog, je suis pas habitué. Mais bon, ça avance. On y est bientôt. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir du coup vos Leclerc. Parce que du coup, maintenant, Auchan s'est passé. Mais Leclerc, c'est un peu flou encore. Tout le monde n'a pas reçu encore leur stock. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!